Bonjour les amis, alors une petite vidéo ce soir pour vous dire voilà, j'ai mes haltères, je vous les avais déjà montrés, et mon fils il m'a ramené des extendeurs, voilà, pour que je fasse un peu de sport. Puisque tous les médecins et tout le monde me disaient, il faut absolument que tu fasses du sport, ça sera molli de partout, et il faut ne pas devenir trop frêle. Donc, moi, ben, jusqu'à présent, je faisais de la contestation en disant « ça me semble complètement idiot de faire du sport quand on se prive de sucre, de glucose, de manière à ne pas aggraver la situation avec le cancer, pour ne pas nourrir le cancer. » Le National Cancer Institute que vous voyez là, me donne absolument tort en disant qu'il faut faire du sport, que c'est très bien le sport, etc. Vous voyez, activity to reduce risk of cancer. Voilà, après, reconfort général, bon, ça on le sait. Alors, beneficial for cancer survivors, je suis pas encore survivant, mais bon, je suis pas encore mort non plus. Voilà, donc écoutez, alors voilà, tout le monde dit, bon, ok, j'étais vraiment avec des quantités de documents derrière pour montrer qu'ils ont raison, et donc moi, j'étais prêt à céder, jusqu'à aujourd'hui où mon fiston, qui fait bien son travail, m'a plaît en me disant « Papa, je t'envoie quelque chose, regarde, tu peux jeter les haltères. » Bon, et j'ai regardé. Et voilà, cancer 2019-11-6, c'est-à-dire le 11 juin, un rapport des effets du sport, donc la glutamine, hein, donc, qui est l'autre manière de se nourrir du cancer. Voilà, biochimie, université d'Utah, New Jersey, bon, etc. Voilà. Là aussi, de nouveau. Donc, en fait, ils disent, quand vous avez le cancer, ne faites pas de sport. Et qui c'est qui avait raison? Alors, mon fiston, ma mère avait toujours raison. Et mon fils m'a dit, t'es bien le fils de ta mère. Voilà. Voilà, alors vous voyez, des pages et des pages, je ne vais pas vous expliquer les dessins parce que j'en sais fichrement rien. Et contrairement à d'autres, je ne vais pas faire semblant de les comprendre. Voilà, donc voilà, et je vais mettre les deux liens, comme ça vous pourrez comparer. Catabolisme et anabolisme of glutamine, c'est très bien expliqué pour ceux qui veulent se donner la peine de l'étudier, mais bon, ça ne sert à rien. Il suffit de regarder la fin, et la fin dit bien, voilà, qu'il ne faut pas faire de sport quand on a un cancer. Regardez-moi la longueur de l'article, et tout comme l'autre, ça termine avec des quantités de scientifiques qui ont fait ces études. Voilà. Et ben voilà cette petite vidéo pour vous dire, ouais, j'avais raison, chouette, pas de sport. Allez, très très bonne fin de soirée, vous êtes déjà le soir, ouais, il est 1h du matin chez vous. Et chez moi, bon, ben vous la regarderez demain, hein, la vidéo. Hein. Très bonne nuit donc, au revoir. Vous voyez, regardez, impossible hein, sans la casquette. Hein. Au revoir.